trop à gauche. Yes, he can be caught. Il nous faut un homme, un grand coq, un superbe, avec une grosse tête. Yes, he can be caught. Il nous faut un coq, un grand coq, un superbe. Jolie famille, jolie famille.
jolis amis, que la famille des oies, que la famille des oies, pour du très jolis amis, je te le dis. La famille des oies, pour du très jolis amis, je te le dis. Pour l'amour, il laisse tomber ses planches à fond.
poil sur le menton. Ah ça, mais quel tout fait. Accordez-nous, s'il vous plaît, un minimum de respect. On n'est pas des chiennes, nous on est des poules sentimentales. C'est vrai qu'elle n'est pas belle, y'en a de mieux qui chuquaient, mais Amélie est plus celle. Et pour les hommes, y'a rien de tel, et pour le sentimental, qui rêve d'idéal, une poule qui ne pense pas. Il peut bien dire ce qu'il veut, vieux père. Mais bien, cher sœur, nous on s'entame. Bien qu'on nous envoie à la messe, on ne fêche le coup par intention. Et tous les dimanches, on se confesse au curé qui devient rouge des yeux. Qu'elle nous fasse pour des petites filles modèles, immaculées comme la Sainte Vierge. On sort de la joie avec des chandelles, des bougies et même des cierges. À quel plaisir, à quel plaisir, à quel bonheur, à quel bonheur de sentir chaque nuit les chaleurs. La chaleur des bougies après avoir fait la prière du soir. Allez, bougies, la chaleur des bougies. La douce chaleur des bougies après avoir fait la prière du soir. Allez, bougies, la chaleur des bougies. Dieu qui est doux, la vie dans le lit des pucelles. Sentir le goût brûlant de l'envers. La chaleur des bougies après la prière du soir. Ah.
que vous brillez. En plus, la mère Laurent a fait ses comptes et n'a trouvé que vous gaspillez. Beaucoup de bougies à la vérité semblent disparaître en fumée. Aussi, nous devons, même en pleine nuit, économiser les bougies. Suis-je assez clair? Très clair, mon père. Dans la nuit, pas besoin de lumière. Prenez-nous les bougies sitôt après votre prière du soir. Plus de bougies, plus de bougies, allez-vous. Rendre les bougies sitôt après votre prière du soir. Plus de bougies, plus de bougies, allez-vous. On n'a pas de sous, mes filles, je vous le rappelle. Il faut juste que vous se servir des chandelles. Rendez-nous les bougies après la prière du soir. C'est sûr, c'est au lit. Et sans. Je sais pas pourquoi, toi tu vois mon noir. Ce soir j'ai envie de toi. À la population, la nuit sans te propice, j'ai comme une érection. Mon noir, vrai que je sens sombre, t'es mon désir. Un jar, c'est bien normal, ce doigt de te remplir. Je vois qui conjugale, toi. J'ai le corps, prends-le-moi, toi, mon noir. Comme ces âmes pour te voir, il faut vous calmer. D'enfant, je ne veux plus. Plus question de creuser. Le trou de la sécu. Non, toi, mon noir, ne me repousse pas ce soir. J'ai trop envie de toi. Nous avons trop d'enfants. Bien d'accord avec vous. On peut s'aimer pourtant. Si on changeait de trop. Oh la mémoire. Enfin, rendez-vous contre moi pour une fois. Jamais vous me faites honte. J'ai trop besoin d'amour. Vous êtes en plein délire. Confondez l'amour avec votre plaisir. Faire l'amour à l'envers. Je ne suis pas une cocotte. Vous êtes vraiment pervers. Et avec une cafette. Oh, n'y comptez pas. Espèce de débauché. Et de ce pas, moi je vais me coucher. Et seul. Qu'est-ce qu'il fait là, tout seul dans la nuit, le chat? Est-ce qu'il n'aurait pas une petite envie, le chat? S'il traîne ici, ce n'est sur mon papa, hasard. Que veux-tu, mon chéri? N'aurais-tu pas envie de te faire un canard? Viens par ici. Le jard, tout est bon dans le canard. Mais le cou est meilleur que la cuisse. Viens soulager ton bas. Viens ne fais pas d'histoire. Prendre ton pied avec des canards. Viens par ici, le jard. T'es bon dans le canard, et le cou est meilleur que la cuisse. Viens soulager ton bas, viens ne fais pas d'histoire. Prendre ton pied avec des canards. Vous perdez votre temps avec lui, mes canards. Moi je sais bien ce dont il a envie, le chat. C'est une bonne vieille patate au rosso, canard. Car Bobonne, elle sait pas, elle est conne. C'est une mort. Rien à voir avec
cocu vous fait plus enrager. Quand on n'a plus que de vagues souvenirs, quand on ne se souvient plus, on a eu du plaisir. Quand on n'a plus envie de rien lui demander, quand l'a trouvé complètement nu ne vous fait plus rêver. Quand on a assez de se battre, on est content. Fais chambre à part. Quand on a plus rien en commun, que quand en banque, quand les enfants sont déjà loin et que rien ne vous manque, quand on n'a plus de projet pour l'avenir, quand vous faites des petits lus et votre seul plaisir, quand on n'a même plus la tendresse d'étranger. On est content de ne plus se sentir obligé. Quand on n'a rien, non, rien de rien. Quand on n'a rien qu'un compte en banque, qu'un compte en banque à run, 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 run.
C'était pas mieux. Les ennemis
hétéro, c'est encore pire. Il se croit Dieu, il faut le dire. On est toutes mal baisées, et on est mal baisées. Dieu merci, il reste, si l'on veut se consoler, des tas de bonnes copines pour assouvir nos désirs. Pas besoin de traite de coq pour prendre du plaisir. On est toutes mal baisées, oui, on est mal baisées. Dieu merci, il reste, si on veut se consoler, des tas de bonnes copines prêtes à nous faire perdre la boule. Pas besoin de coq pour prendre notre pied de foule. Avec monsieur le commissaire et monsieur le juge, devant
quand il a. C'est pas un endroit pour les hommes de loi, mais qu'est-ce qu'ils font ici, ces gros cochons? Ben ils cherchent l'amour et comptent sur nous pour leur fourrer. Moi dans les ailes, je me ferai
les femmes, oublions leur mari. Reste encore qu'elles montent au septième ciel avec des oiseaux blancs qu'elles volent, qu'elles ont les ailes. Dans les rêves, on peut faire des folies. Dans les rêves, l'amour est plus joli. Thank you.
mais le chat n'est pas réveillé. Il paraît qu'il a découché, et oui, découché. Le coq peut bien s'égosiller, le chat ne va pas s'éveiller. Il est encore dans la purée, oui, dans la purée. Notre mari n'est pas là. Il va être très fatigué, ce qu'il a beaucoup travaillé. Parfaitement beaucoup travaillé, mais enfin qu'est-ce que vous croyez? C'est dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est? De la chicorée. Excusez-moi, je me suis trompé. Toi non plus, tu n'as pas réveillé. C'est le corps qui t'a fatigué. Viens nous raconter. Marie, que t'est-il arrivé? Qu'est-ce que tu essaies de cacher? Bien, si elle s'est faite engrosser. Thank you.
Maria, Mamma mia, allez-vous vous taire pour moi. Enfin, tout est très clair. Oui, il est clair que Marie croit encore au Saint-Esprit. Elle croit tout ce que le curé lui dit. Mamma mia, faut pas quoi qu'on dise. Bye.
avec trois frères pour qu'un enfant rentre dans le moule. Il doit avoir un père et une mère, ou bien avoir de mère doule. Confier un œuf à deux poules lesbiennes, notre race est en plein délire. Un homme, une femme, il faut qu'on s'y tienne, sinon on doit s'attendre au pire. Quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre, casser l'œuf. À moi bien sûr, ma petite croix blanche, que tu nous dises la vérité. La vérité, j'ai beaucoup béni, j'ai rencontré les femmes et tout. Retenez-moi ! Seigneur ! Ah ! En vérité, qu'une petite gourmandine. C'est vrai, tu t'imagines que nous allons te croire. Non, personne ne te croit. Enfin, Marie, le Saint-Esprit, personne n'y croit plus aujourd'hui. Et tu aurais tout intérêt à dire enfin la vérité. La vérité, je vous l'ai dit. C'est qu'elle s'est fait sauver par le grand Saint-Esprit. Protège quelqu'un des qui. Mais protège quelqu'un des qui. Elle protège quelqu'un des qui. Quelqu'un qui n'est pas loin d'ici. Vous vous trouvez, ce n'est pas moi. Et car je n'aime pas les soirs. Oui, on dit ça, sauf que ma foi, autant je vois, quand tu es là. Vous vous trouvez, ce n'est pas moi. Et car je n'aime pas les soirs. Oui, on dit ça, sauf que ma foi, autant je vois, quand tu es là. On mange au foie quand il est là. Vous m'en dites de ma bonne foi. On mange au foie quand il est là. Les poules, ce sont les coqs qu'il aime.
quand même, c'est pas pour nous qu'un petit problème. Comme c'est comme qu'il est, faut pas compter sur lui pour faire les œufs. C'est un sacré problème. Ça, ce n'est pas mon problème, c'est pas mon problème, j'ai pas besoin. Dans les bras d'un autre moi-même, sans poule dans les pattes, je veux être un corps en pâte. Ah!
comme demeure avec nous. Faites qu'il soit gardé, sinon on est tout. Enfin, c'est insensé, monsieur Buddy. On dit tout, on dit tout, on dit tout. Oui, mon chou, que comme demeure avec nous. Faites qu'il soit gardé, sinon on est tout. Enfin, c'est insensé, madame Buddy. Je dis tout, je dis tout, je dis tout. Mais ce que le peuple perd avec nous, faites qu'il soit gardé si nourri. Enfin, c'est insensé, mesdames, que dites-vous? On dit tout, on dit tout, on dit tout. À votre femme qu'on a fait tous les deux ce que l'Église nous donne. Dis-y, au nom de Dieu, on prévient vos maris, oui, que vous les faites cocu. Dis-y, je vous en prie, oui, moi tu sais, je vous dis. On va vivre à vos femmes pour vous faire des tulipes. Mais vous êtes deux infâmes, attendez pour qu'on discute. Pourquoi tant de pépales pour le coq, ce bâtard? Moi je dis qu'on le chasse. Enfin, qui a le pouvoir? Oui, enfin, qui décide? Il faut bien se décider. C'est le coq qui décide. Mais le coq est restitué. Sacré âme, sacré vide. Puisqu'il faut décider. Que Léon, oui, que Léon, que Léon prenne la décision. Non, 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 non. Décision. On dit non. Allô, Léon. Non, non, c'est non. Ouais. Bon ben voyons, bravo Léon. Ok, c'est bon. Bravo Léon, chapeau Léon. Bon d'accord, puisqu'il faut décider, je suis d'accord. Bien que le coq soit pédé, je suis d'accord. Nous allons le garder. Ne comptez pas sur moi pour cautionner ça. Oh non. Ne comptez pas sur moi pour cautionner ça. On d'accord, c'est d'accord, et on l'a décidé. C'est d'accord, c'est d'accord, bien que l'autre soit pédé. C'est d'accord, c'est d'accord, nous allons le garder. Ne comptons pas sur moi pour cautionner ça. Oh non. Ne comptez pas sur moi pour cautionner ça. Enfin réfléchissez un peu. Que devient la procréation s'il n'y a plus pour féconder les œufs? Un coq, un vrai coq, pas un chapeau. Pas d'accord, pas d'accord. Regardez ce vicieux, c'est la mort. C'est la mort. Si les poules font plus de oui Léon. Oui Léon. Regardez cet avorton, c'est remettre en question la procréation. Oui Léon, c'est remettre en question la procréation. La procréation, 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 la procréation. Et notre avis, je pense, n'est pas sans importance, vu que c'est nous qui pondons. Nous n'avons plus envie que le coq nous féconde, tout ça pour que l'on ponde à votre seul profit. Le temps est révolu, des œufs à l'aveuglette, dont on fait des omelettes. Non, nous ne pondrons plus, nous ne sommes plus les mêmes. Vous nous avez comprise pour des poulons d'or. Messieurs les dindons, on trouve ça plutôt moche de vous remplir les poches avec notre croupion. Si vous voulez des œufs, demandez à vos dindes, n'a-t-il des mots.
tard, l'anarchie va s'installer, les rouges prendront le pouvoir, et à la tête vous verrez, ce ne sera pas beau à voir, le coq se fera tuer. Oh, rouge et noir, je vous le prédis, avec les communistes et les anas, en rouge et noir, fini la prévie. Vous allez tomber dans l'ennui, en rouge et noir, vous regretterez, le temps présent, hélas, sera trop tard. En rouge et noir, les yeux vous pleurez, oui, un jour, vous regretterez. En rouge et noir, elle vous le prédit, avec les communistes et les anas. Nous allons sombrer dans l'ennui, en rouge et noir, on va regretter, le temps présent et ainsi sera trop tard. En rouge et noir, les yeux vont pleurer, oui un jour on va regretter.
rigolo. Et quand ça compte pour celui qui va régner sur la basse cour, c'est la fin du tableau. Cocorico, cocorico. Thank you.
vous présente ceux qu'on ne voit pas, mais sans qui le spectacle n'aurait pas lieu. D'abord, sur le plateau, il y a Régis, Jérôme et Philippe Restanis. Ce soir, c'est Yann Lemaître sur le plateau. C'est Christophe Bourdon et Denis Ménèque. Les arrangements du spectacle Les Dames Galantes et aussi La Belle au Bois Dormant sont signés Robert Spass, que certains d'entre vous peuvent voir sur le balcon. Qu'il nous faut répéter. D'abord, notre pianiste de répétition, Pierre Cordeva. Toujours au musique ou des chants, celui qui fait les harmonisations de voix des chœurs et qui dirige le chant des Caramels Fous, c'est Nicolas Kern. Celle qui donne la pêche à la compagnie, qui a la pêche, une pêche d'enfer, et un gant de velours. Notre chorégraphe, Nadine Fetti. Très bien roulé dans ce costume. Il y a des connaisseurs. Je voudrais juste savoir qui vous habille. C'est monsieur Olivier Sévrin qui a fait tous les costumes des Dames Galantes. Olivier. Oui. C'est un autre Olivier, Olivier Ménestrier. Michel M.
Jésus, oui qu'on s'aime. Le bon âge de la